Si, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous avec la précision biblique. L'Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose, chaque chose, chaque chose, chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ et Quality. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur. Présente aujourd'hui le docteur Albert Kalo Kabunda, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Kalo? Allez sur christequality.com/albertkalo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La paix et la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez sous Balayoko, pour entrer Nous profitons pour bénir la présence de chacun de nous parmi nous. Tu dois savoir que ce n'est pas par toi-même que tu es là. La Bible déclare, c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Il a prévu une bénédiction pour toi. Parce que une écriture dit, il est agréable, il est doux. Pour le faire demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel a fait sa bénédiction. S'il a voulu que tu sois là, même si je ne prie pas en proclamant ta bénédiction, le fait seulement que tu es parmi les enfants de Dieu, tu es béni. Alors, mettons-nous debout pour la lecture de sa parole. Nous allons démarrer notre séminaire aujourd'hui. Je vais seulement demander au pasteur, encore une fois, comme j'avais demandé le mardi, même s'il y a trois ou quatre personnes, tu me passes la parole. Moi, je veux parler, avoir tout le temps de bien parler à tous ceux qui aiment la parole. Nous avons seulement compris que les gens n'aiment plus la parole. Ils passent leur temps dans des futilités. Ils n'ont plus le zèle de cette parole. Je me souviens quand j'étais dans cette église, les années passées, on écoutait la parole peut-être à 9h ou 10h. Un dimanche, on pouvait écouter des enseignements. On pouvait commencer de 9h
jusqu'à peut-être 11h30. De 11h30 jusqu'à peut-être 13h. Et les gens aimaient cela. Ils aimaient écouter le premier, écouter le deuxième. Les gens faisaient un effort pour ne pas rater le premier. Donc nous sommes déjà là. Il est peut-être chez lui. Il sait qu'il viendra cette manière pour commencer à prêcher la parole. Ça, c'est manquer la discipline de la parole de Dieu. C'est manquer d'honorer la parole et honorer même l'église. Amen. Amen. Quand on aime la parole, les disciples commencent à être des modèles. Je ne vois même pas pourquoi on doit mettre les chaises ici car c'est ceux-là qu'on appelle disciples viennent à n'importe quelle heure. Non, un disciple c'est un modèle. Un serviteur de Dieu aussi c'est un modèle. Nous devons être des modèles. Si toi tu viens en retard, et alors l'autre. Alors c'est lui qui le fidèle. Ce qui est en cima, boni boni mon dimi. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent que qu'il prêche la parole du cas, il faut qu'elle parle de tout ça. Ça fait partie de la parole. Amen. C'est aussi une révélation. Et les pasteurs pourront nous dire, par la grâce du Seigneur, Ézéchiel chapitre 27. Aujourd'hui, nous avons besoin seulement de deux versets. Le verset 1, le verset 2, si possible, le verset 3. Ce qui peut. Ézéchiel chapitre 27. Premier, deuxième et troisième verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il oba na Yahweh et yake pa inangai na maloba mai. Et toi, fils de l'homme. Et yo, moi na moto. Prononce sur toi une complainte. Tu vas à ti. Voyez les satis. Et toi qui es assise au bord de la mer. Yo oyo ofandi pembeni na mai na monana. Et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre d'îles. Yo ozali kosala mbongo to kotambola elongo moko na libota na ebolo monene ya bisanga. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oyende lobi kolo Yahweh. Tire, tu disais. Je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. Après les sujets que nous allons enseigner tout de suite.
Nous aurons des débats sur ce sujet. La nuit, nous sommes là pour décortiquer ce sujet dans le débat. Genèse chapitre 3. Vous allez nous aider en lisant le verset 1 jusqu'au verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Voici à moi qui était là qui malade pour la colia et agréable à la vue. Et qui tombe en amiso. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là qui malade pour la profonde la haine. Elle prit de son fruit et en mangea. Voici à toi qui pour ma oyo péalia qui a l'eau. Elle en donna aussi à son mari. Et à qui pète. Et pas une mobile naïe pour la traque qui pète naïe. Et il en mangea. Et moi, c'est pour m'aller à l'IA qui a l'eau. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figue, ils s'enfuirent de vêtements. Amen. 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 Je crois prendre à dire toujours Amen à la lecture de sa parole. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons vu le mardi. Je vais faire un effort pour parler lentement afin que toutes les personnes qui sont parmi nous saisissent ce que nous allons enseigner durant ces 4 jours. Et si vous n'arrivez pas à me saisir quelque part, c'est votre droit de poser la question et c'est d'autres le droit de chercher à être éclairé. Et Zali, ma coquille est pesa meilleur, y'a kotuna laï, motuna, ma coquille est pesa meilleur, y'a koluka kosua, polé. Parce que si un prédicateur prêche, et que sa parole n'est pas comprise par l'auditoire, un tel prédicateur doit rester encore sur le banc. Parce que qui nous écoute, saisisse la parole, comprenne la parole, et qu'il marche avec cette parole. Et si quelqu'un dit,
Les choses que moi je prêche, c'est difficile à comprendre. Pour moi, il faut qu'il arrête de prêcher. Parce que la parole doit être claire. Nous vivons le temps où Dieu parle ouvertement du Père. Le temps où cette promesse s'est accomplie. Nous venons de lire un chapitre d'Ézéchiel. Dans ce chapitre, la parole de Dieu est sortie. Et cette parole a été placée dans la bouche d'un prophète. Dieu envoie son prophète pour annoncer sa parole. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est la personne à qui la parole a été adressée. Parce qu'il y avait une ville, un royaume, peut-être un pays qu'on appelait Thi. Dieu ne s'adresse pas à ce pays ou à ce peuple de Thi. Mais Dieu s'adresse à son chef. Vous venez de lire avec moi. La parole a été adressée au chef de Thi. La parole n'a pas été adressée au peuple de Thi. Mais elle est adressée, saisissez-moi très bien, elle est adressée au chef. Au prince de Thi. Voici madame Malamo, Liloba, et le Baba Kite et Faya Mokozi Yatu. Voici pourquoi nous avons repris ce passage. Et Talatina, Tozongeli, Toto Tozongelaki, Mokapoyo. Et si nous avons repris ce passage, et ce qui te zongelaki Mokapoyo, c'est pour seulement vous interpeller à qui Dieu adresse la parole. Je veux dire ceci. Dieu envoie tout un prophète dans un pays. Dans un pays-là, Dieu s'adresse seulement au chef de ce pays. Il s'adresse au chef de ce pays. Et ce chef-là, par son comportement, Dieu reproche son comportement. Il dit à ce chef tout ce que nous venons de lire. Et ça c'est très important. Dieu, pourquoi Dieu n'a pas pu s'adresser à tout un peuple? Tout ce que Dieu fait, le fait pour un. Il y a le pourquoi de s'adresser seulement au chef au lieu de s'adresser à tous les peuples. Et alors dans l'opportunité, il dit à ce chef, il dit à ce chef, il dit à ce chef, toi tu t'enorgueillis par ta beauté. Et après avoir reproché les comportements de ce chef, l'Éternel, quand vous descendez, Yahweh, il appelle ce chef le chérubin
protecteur. C'est ça qu'on a vu ensemble avec vous. Quand on voit que le chef est le chérubin protecteur, dans la définition qu'on a vu le mardi, on doit te signifier pour
pourquoi tu es condamné. Ça c'est la nature. La nature fait que imiter la parole du Seigneur. Dieu ne pouvait pas condamner cet ange-là. Les condamner et les faire partir sans les signifier. Pourquoi tu es condamné? Est-ce que vous me suivez? C'est comme dans la maison. Et d'ailleurs, le coin à la un homme qui a sa femme. Qui condamne sa femme? Oui, sa un homme qui a son mari. Moi si. Un homme qui a sa femme. Une femme qui a son mari. Moi si quoi dans la mobile naie. Quand il y a une condamnation quelque part, vous êtes obligé de signifier la personne pourquoi vous la condamnez. Parce que c'est la manière de Dieu de travailler. Ainsi, Dieu signifie maintenant à cet esprit. Dieu signifie à l'ange. Parce que tu as pensé prendre ma place. Comme on a dit le mardi. Pour cet esprit-là, le chérubin protecteur, celui qui était autour de toi. Aujourd'hui, Satan. Cet esprit-là qu'on appelait Lucifer. Lucifer qui veut dire porte-lampe ou porte-lumière. Lucifer, cet esprit-là qui portait la lumière. Cet esprit-là qui portait la lumière. Cet esprit-là qui apparaît parfait. C'est l'esprit qui dit. Non. Yeah. Ne faut pas que je m'arrête ici comme je faisais du mal. Je dois avoir tout le pouvoir. Parce qu'il avait le pouvoir aussi à travers d'autres anges. Mais il a trouvé qu'au-dessus de lui, il y avait aussi une autre personne. L'Esprit se dit, non, je dois avoir tous les pouvoirs. Mais il ne faut pas que je sois soumis à une autre personne. C'est quand il a eu cette pensée. C'est quand il a eu ce coup-là. C'est quand il a eu ce soif-là. C'est quand il a compris que les choses doivent être ainsi. Dieu l'a vu comme on l'a vu ensemble. À cause seulement de cela, Dieu l'a précipité sur la terre. Arrivé sur la terre, ici l'esprit change la forme. Maintenant il y a un problème. Pourquoi Dieu l'identifie au chef de Dieu? C'était seulement pour dire que l'esprit a besoin d'un pouvoir absolu. Le chef de Dieu, c'était le chef qui coordonnait tout le monde. Et cet esprit-là aimait tout coordonner. Au-dessus de tout.
C'est ce que cet esprit-là. C'est ce que l'esprit voulait. Sa conquête. Sa conquête. Était seulement que. Au-dessus de moi. Rien. Alors cela l'amenait à quoi? Si il est au-dessus ou au-dessus de lui, il n'y a rien. Il méritait ce qu'on appelle maintenant l'adoration. Donc, jusque-là, il avait le pouvoir. Il était parfait. Il connaissait tous les mystères de Dieu. Mais son problème qui lui manquait, c'était qu'on l'adore. On l'adorait pas. Il y avait celui qui était au-dessus de tous qu'on adorait. Quelque chose manquait à cet esprit-là. Et cet ange, ce chérubin, était tourmenté au fond de lui. On pouvait voir son apparence par ses collègues. Par ses collègues. Ses collègues pouvaient dire: il est gentil, il est obéissant. Mais en lui, il avait quelque chose qui lui manquait. Quelque chose qu'il avait besoin. Il disait, on a tout donné ici. Sauf que les gens se prosternent devant moi. Sauf que je sois adoré. Dans l'adoration. Selon les livres de Thessaloniciens, le prophète Paul définit l'adoration. Il dit que l'adoration est égale à Dieu. Il dit la définition de l'adoration, c'est un objet. Un objet qu'on adore ou une personne qu'on adore. Tout ce qu'on adore, on appelle ça Dieu. Si ta femme t'adore, adorez votre pasteur. Votre Dieu. Si vous adorez vos habits, toutes ces choses, vous les connaissez. Et alors, que dirions-nous? Cet esprit voulait être Dieu. C'est ça, ce qui lui manquait. Donc, être sous, ne pas être sous le contrôle d'un homme. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi Dieu l'identifie. Il dit chef de team. C'est-à-dire, il n'a pas quelqu'un d'autre au-dessus. C'est lui-même qui donne les ordres. C'est-à-dire, il est à la place où il est né être. Cet esprit-là. Voyons maintenant l'esprit. Parce que ce que le prophète Ézéchiel dit, c'est la prophétie. Il nous ramène ce qui s'est passé dans le château de Dieu. Non. Il ramène vers l'éternité. Et il nous ramène ce qu'a été la scène. Ce qu'a été la scène. Et il explique toutes les choses. Maintenant, dans la réalité, nous voyons alors comme Dieu n'a pas voulu céder sa gloire à un autre. Un orgueilleux, c'est celui qui veut être Dieu.
l'Assemblée. Celui qui veut prendre la place de Dieu. Celui-là entrera en combat avec Dieu. Nous allons le voir pendant que nous marchons. Une personne moto qui cherche à être Dieu. Quand quelqu'un veut être Dieu, il ne va pas, il ne sera pas combattu par un autre. Cet homme-là a engagé le combat avec Dieu lui-même. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait des faux dieux à l'époque. C'était à l'époque de Gédéon. Il y avait un dieu des hommes qu'on appelait Dagon. Quand Dieu a suscité Gédéon, Gédéon, le sept qu'il avait, était un apôtre par excellence. Gédéon est parti jusque là où se trouvait ce Dieu-là que les hommes adoraient les faux dieux. Arrivé là-bas, il a détruit Dagon. Quand le peuple a appris que Gédéon est allé détruire le Dieu, le peuple a poursuivi derrière Gédéon. Jusque chez ses parents. Et le papa de Gédéon est sorti. Papa de Gédéon leur a demandé. Vous cherchez mon fils, où est le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils nous ont dit, nous cherchons ton fils. Lorsqu'il est venu chez nous, il a détruit notre Dieu. Parce qu'il a détruit notre Dieu. Le papa de Gédéon avait l'enseignement que je vous donne maintenant. Il leur dira, mais selon l'enseignement que nous avons, si Dagon est Dieu, c'est à lui de défendre sa cause. Comment vous allez défendre la cause de Dieu? Ça veut dire ceci. L'enseignement qu'avait ce papa, il avait l'évangile éternel. Il lui savait que quand tu te fais écœur à Dieu, ce combat-là ne concerne plus les docteurs. Mais concerne plus le frère. Ce combat-là, c'est entre toi et Dieu. Parce que Dieu ne peut en aucun cas supporter que sa gloire soit partagée par un autre. Je peux insulter un frère. Tu peux insulter une soeur. Tu peux insulter un prédicateur. Mais quand vous insultez Dieu, Dieu seul défend sa cause. Et quand tu as trouvé que l'ange pouvait se disputer avec d'autres anges, ça ne pouvait pas créer le problème. Mais prendre la place de Dieu. Dieu lui a dit, ni mon fils, ni un ange, je ne partagerai jamais la gloire. Ça me fait, si
prédicateur, ce qui me tait, si un pasteur, ce qui me battait, si une sœur, ce qui ne commence pas à moi aussi, veut prendre la place de Dieu, dis oui. Je ne te suivrai pas sur ce chemin. Mais ta fin est bientôt. Ta fin est bientôt. Je ne te suivrai pas. Je vous donne encore une écriture que vous pourrez vous donner de l'autre côté. Pendant que je parle, on va me le chercher. L'Éternel parle à travers Moïse. Il dit, si un prophète s'élève au milieu de vous et qu'il prophétise, ce que ce prophète là a dit arrive. Sachez qu'il y a un prophète parmi vous. Mais Dieu ne s'est pas limité là-bas. Il dit, mais si il vous dit des choses et que ce qu'il a dit vous voyez arriver, après que cela soit accompli, le prophète là vous dit, allons auprès d'autres dieux. L'Éternel dit, ne les suivez pas. Vous voyez comment Dieu est jaloux. Même si quelqu'un prophétise et qu'il te dit des choses qui sont vraies, parce que la prophétie annonce aussi des choses à venir. Quelqu'un annonce les choses à venir et que ces choses-là arrivent certainement, il faut faire beaucoup attention pour suivre après que l'homme t'a dit des choses qui sont vraies. Il faut chercher à suivre. Après cela, il t'amène où? S'il te dit, je t'amène vers un autre Dieu, ne le suivez pas. J'avais dit par là ceci. Pourquoi Dieu a dit cette parole? Parce qu'il sait que les hommes sont faibles. Dès que quelqu'un prie pour toi, par exemple, après avoir prié, si ma commande là, j'étais malade et tu es guéri. Quelqu'un qui t'annonce les choses, tout ce qu'il t'a annoncé, tu vois cela s'accomplir. Quand tu as un problème et que tu appelles cet homme-là, qu'il prie pour toi, tu vois le miracle s'opérer. Faites attention. Souvent l'homme devient faible devant cet homme-là. Tu commences à le suivre avec les mains, même dans tout ce qu'il dit. C'est à ce moment-là que tu es parti vers le faux Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc ce n'est pas parce que l'homme a prié pour toi et que la chose est arrivée. Amène un autre Dieu ou pas. Et ça, une église, un frère, une sœur qui est enseigné de Dieu, fait ici ces choses. Il faille. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, un frère, une sœur qui est bien enseigné, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi,
honore son nom. Et il croit que Jésus a commis sa parole. Et toi, quand j'ai vérifié, par rapport à ce que Dieu a dit, je ne te suivrai pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Beaucoup de gens suivent aujourd'hui des prophètes. Le défunt. Il y a la différence entre un prophète et un défunt. Beaucoup de gens suivent les docteurs. Suivent des pasteurs. Suivent même des ministres. Parce qu'ils s'est fait fanatique de ce corps. Parce que. Il a vu peut-être la grâce de Dieu à cet homme. Parce que il a vu quelque chose de Dieu dans cet homme. Il commence à le suivre avec lui. C'est comme ça que Dieu va te quitter. Parce que Dieu va quitter cet homme-là. Et il te quittera aussi. C'est pourquoi dans cet évangile, on n'a pas de sentiments d'un homme. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il connaît. Parce que c'est un frère. Non. Quand il est dans la parole, je dis Amen. Je comprends. C'est un orgueilleux. Il veut devenir Dieu. Toute personne qui veut devenir Dieu se garde des écritures. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas d'abord commencer à déposer la chose. Sans que chacun de vous prenne d'abord la position. Parce que quand vous prenez la position, c'est-à-dire que tu n'es pas fanatique d'un apôtre. Fanatique d'un pasteur. Quand tu ne prends pas la position, ce qui va suivre le guet, ta position qui est que la parole de Dieu, quand on va déposer la chose, tu ne vas pas regarder, est-ce que le pasteur t'en va bouger? Est-ce que tel, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous dire une chose. Nous nous prêchons dans la promesse. Les mythos ministres que vous voyez, il n'y a aucun ministre qui est spécial. Si un ministre vous dit qu'il est spécial, c'est toi qui crois, sera qui ira dans l'enfer si tu ne te répands pas. Chacun de ces ministères a sa spécialité. Qui se diffère? Qui se diffère? Ça veut dire ceci. Et quand un ministre parle, il parle selon la mesure de sa grâce. Parce que vous me suivez très bien. Des fois, on a beaucoup de choses à parler. C'est pourquoi demain, si on peut me donner même la parole à 14h. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici. Et pendant seulement que je suis en train de s'arrêter là, j'ai déjà consommé beaucoup. Mais allons vite parce que l'enseignement. Donc il n'est pas pour pas la crise. Nous quand on donne l'enseignement, on veut que les choses soient tellement claires. Je vais me répéter plusieurs fois. Entre-temps, le temps est consommé. Nous avons un temps pour les gars. Remarquez maintenant. La Bible dit ceci.
Jésus. Vous devez avoir une position. Et ce que dit on va le et votre position doit être la parole. Et quand votre position est la parole, vous ne regardez pas ce que Dieu a fait dans cet homme-là. Mais vous bénissez Dieu le fait qu'il a fait des choses dans cet homme-là. Mais vous servirez l'homme qui ne vous amène pas auprès d'autres dieux. Lisons ce passage. L'Éternel me presse. Écrivons cela pour moi et nous continuons. Deutéronome 13. C'est là où Dieu dit que tu ne nous amènes pas auprès d'autres dieux. Amen. Chapitre 13. 1 à 3. Mokanda na Deutéronome kapo na zone na mitano zira mokea mbiboso. Oh, on va écrire ça là-bas. Mais là, ce passage, c'est une cure pour moi. Qui veut dire que un orgueilleux, c'est celui qui veut être égal à Dieu. Une personne qui n'a plus besoin de ce que Dieu a dit. Qui trouve que lui aussi peut parler même si Dieu a parlé. Les orgueilleux, on les trouve parmi les gens qu'on appelle les ministres. Les gens qui sont capables de parler aussi, Dieu sait que lui parle. Dieu parle, lui sait que. Vous lisez les écritures, lui vous dit bon, c'est bien tout ce que vous avez lu. Hier, on a dit que mais ok, bon, écoute ce que je t'ai dit. Bon, il y a un autre qui a dit. Donc, vous lisez les écritures. Et nous, on a dit, tu nous veux voir, regarde dans la Bible. On a dit, c'est la Bible. Et tu me dis, alors, il dit, ça va. Et ça dit, on ne peut pas contredire la Bible. Toi, côté de la Bible, toi, tu crois qu'il a dit Amen. Mais, vous voyez ça. Et si une église commence à croire de telles personnes, c'est une église. Dieu va quitter cette église-là. Cette église-là, Dieu va la quitter. Beaucoup de gens deviennent aveugles vis-à-vis de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a vu quand cet homme l'a pris pour lui, il n'avait pas du travail, il a du travail. Quand tu lui apportes la dîme en coulisses, parce que d'ailleurs un ministre de Dieu ne prend pas la dîme en catimini. Et l'homme qui va lui donner la dîme en catimini, cet homme-là n'a pas aussi Dieu. Parce que je lui donne le prix pour moi, je reçois. Quand je vais la mettre là-bas, je ne vois rien. C'est ça la sorcellerie et l'enfoutement que nous allons toucher. Mais quand on donne un ministre à dire parce que le verset, vous savez le verset utilisé, Melchisedec. Et quand on donne la dîme à un homme de Dieu quelque part, mais ce qui va compter ça, homme de Dieu, il me ramène la dîme tout ce qui est dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les gens deviennent faibles devant un don de Dieu, croyant que
C'est l'instrument que Dieu a utilisé qui est le porteur de ces dons-là. Bien-aimé, ce n'est pas cet homme-là. Le Seigneur le fait pour donner gloire à son nom. Toi, reste attaché aux écritures et à la parole de Dieu. L'orgueil, c'est quand un homme croit parler comme Dieu, croit faire comme Dieu, car il ne veut plus entendre ce que Dieu a dit. C'est là un orgueilleux. Ce n'est pas celui qui marche avec fierté. Ça c'est en français. Un orgueil, ce n'est pas celui qui s'habille très bien, qui se crée dans ses habits. Ça c'est un homme du monde. Mais notre problème est de combattre un orgueil. Non. Toi, retire-toi de l'orgueil et Dieu s'occupera de l'orgueil. Je vous donne encore un exemple pour décortiquer parce que je sais ce que vous attendez. Mais ce que j'ai dit, c'est ce que vous attendez. Il y a un problème. Nous connaissons un bien-aimé qui avait suivi la parole de Dieu, qui avait grandi. À un moment donné, il a prêché une sœur. La sœur suivait la parole de Dieu. On était à la permanence. Alors, le nom de Dieu, ce frère-là, il a dragué la sœur. Il va dire à la sœur, avant qu'on fasse, nous allons prier donc, pour que Dieu commence à faire. Ils ont commencé avec Dieu, c'est l'autre. Quand ils auront fini, prions pour remercier Dieu comme il a fini. Quand ils ont fini de remercier Dieu, la scène est devenue forte. Nous, on était à la permanence. On a vu la scène qui sautait. Il fallait faire un service. Mais je voudrais vous faire voir. Sur cette sœur-là, à qui le frère avait apporté la parole, elle pouvait seulement glorifier Dieu pour la grâce de Dieu qui est passée chez ce frère-là pour lui apporter la parole. Et quand l'homme lui a apporté une autre parole, la parole c'est Dieu. Une autre parole aussi c'est un Dieu, mais un faux Dieu. Il avait dit à ses frères, quand tu m'as porté le frère Dieu, j'ai dit amen, je suis venu. Mais non, que tu m'apportes le faux, je te laisse seul sur ce chemin. Dans cet évangile, ne faut pas être sentimental. Parce que cet homme-là est habitué avec quoi? Parce que c'est celui qui vient chez toi tous les jours. Parce que c'est celui-là qui te comprend. Parce que celui-là, vraiment c'est celui-là. Il est ou pas? Il est ou pas? Beaucoup de Baluba n'aiment pas quand je frappe les Baluba. Je frappe l'esprit Baluba. Vous savez, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Quand il te voit,
Un Lubasi n'est pas encore touché dans son esprit. Au lieu de prendre comme son pasteur ou son bien-aimé, il est de chez nous. Donc il est de chez nous. Ça veut nous dire ceci. On aime le ministère. On est édifié par le ministère. Et non pas par le Dieu. Je suis attaché à celui-là, attaché à celui-ci, parce que il est de chez moi, parce que on a des liens ensemble, parce que on a chez ça. C'est comme ça que tu iras derrière le faux Dieu. L'esprit que vous appelez Satan est dans le chef-terrie. Et dans la chef-terrie. Cet esprit-là aime être égal à Dieu. Cet esprit-là aime qu'on adore. Il doit être Dieu. Regardez. Dieu nous chasse sur la terre. Dieu nous révèle déjà qu'il a été chassé parce qu'il était chef de Dieu. Ça veut dire qu'il est chassé parce qu'il aime le pouvoir, qu'il voulait être à la place de Dieu. Il aime être là où Dieu était assis. Il aime le trône de Dieu. Même dans les églises, il y a ceux qui aiment autre toi que je me mette. Il y a ceux qui aiment les pas. Tu peux être là pendant que je prêche, l'autre dit, oh, pourquoi c'est mal? Moi je ne peux pas commencer à prêcher. Ok, on va en tout, on va faire un dernier côté avec là. Pour la vie, il est capable d'entamer toute une procédure pour que tu sois ôté là où tu es et que lui se mette. Mais à ma coquille, y a qu'on soit la dynastie Nyonso, pour que l'on il est capable d'entamer de longues procédures. Y a qu'on soit la dynastie Nyonso, il a eu la vie. Pour restituer l'autre que lui soit là-bas. On a compté, y a la mousse, c'est pas de l'affaire. Afin que toutes sortes terrorisent. D'entamer le procédure. Venir chez toi à la maison. Venir chez toi à la maison. Commencez à te parler mal de celui qui est sur le trône. Commencez à te parler mal de celui qui est sur ce trône. Parlez les faiblesses de celui qui est sur ce trône. Moi, je parle seulement pour parler. Je parle seulement pour parler. Oh, sa mission. C'est le ruse. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Un serviteur de Dieu. Un ministre de Dieu. Qui vient chez toi pour parler le mal. D'un autre ministre. Sache que le diable qui est devant toi. Quel que soit le don que tu peux voir en lui. Puis je leur dis une chose. Si vous voyez un ministre, tu vas le voir. Tu parles mal d'un autre ministre. Il est là. Et t'encourage. Et donne encore d'autres pistes pour aller plus trop fort. Même s'il y a des différences entre lui et son collègue, si toi tu vas le voir, il va te ramener dans le Seigneur. Et après, il peut voir son collègue.
La bouche qui me disait où qu'on a raison. C'était Satan, le serpent brisé, qui me disait où qu'on a raison, où qu'on a raison. La mission, c'est quoi? Pour que je le mette. La mission, c'est quoi? C'est qu'il est. Il n'est pas, il fallait que ça soit moi. Vous comprenez ce qu'il est là. Il faut que ça soit moi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. 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 Je bénis bien le ministre Paul. Je bénis le ministre Paul. Nous serons ensemble. Parce que je sais qui est ici. Je ne voulais pas savoir autre chose. Autre chose. Si ce n'est que Jésus-Christ. Christ est crucifié. Mais quand une personne vient chez moi, il me parle de l'autre. Il me contre ce que l'autre est. Nous avons vu ce que l'autre est. Nous allons mettre la place de l'autre. Mais pourquoi dans l'église vous entrez dans les disputes? Vous aurez les disputes entre les ministres. Nous aurons le ministre se disputer dans l'église. Vous ne comprenez pas. Mais la terre c'est toujours entre toi et là que je me mets. Oh, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Pour t'aider, pour Dieu. Moi, je ma paix, ça vient à l'écouter. Ça vous fait mal? Non. Là, vous ne criez pas, amen. Quand je vais commencer à déposer, vous allez vous mettre. Amen! C'est ça, déposer. C'est ça, déposer. Il faut que l'église ait l'œil ouvert. Pour être que derrière Dieu. Quand Dieu se manifeste dans un homme, on est Dieu. Et quand il t'apporte un faux Dieu, tu le laisses partir seul sur ce chemin. Amen. Amen. Même si il dit, si tu ne soutiens pas, je ne veux pas te lever. Dis-lui, va le lever. Qu'est-ce que tu as là? Mais moi, je vais rester sur le pas. Quand il a parole, quand on le chasse, il arrive sur la terre. Nous avons vu avec quelque chose qui s'est passé. C'est l'esprit. L'astre qui aime le pouvoir, qui aime être Dieu. Cet esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant le corps du serpent. Le serpent qui était dans le jardin d'Eden. C'était un serpent normal. Et quand vous voyez le serpent marcher, c'est un serpent normal. Comment ce serpent va rester toujours
dans sa forme. Dans sa forme normale. Quand maintenant, l'esprit qui était Satan prend son corps. Et suis toi ne pouvait plus rester normal. Même toi aujourd'hui. Si tu crois un serpent, tu commences à causer avec le serpent. Tout est un entretien. Je ne sais pas. Na hérité. Entendre peut-être serpent te dire, laisse-moi, ça se comprend. Mais non, toi, tu vas visiter le serpent. Ok, côté la nyoka. Vous commencez à causer. Le serpent dit des choses. Non, ça dit quoi? Tu réponds. Le serpent dit des choses. Non, t'as dit. Nous allons te considérer ici comme quelqu'un du monde du ténèbres. Jésus-Christ avait compris cela. Ce que je vous dis est vrai. Moïse, quand il rencontra Dieu, quel enfant. Il dit Moïse, vas-y. Moïse dit comment, par quel signe le reconnaîtrais-je que c'est toi qui es avec moi. L'Éternel dit, prends ton bâton, jette par terre. Le serpent saute. Moïse s'est défait. C'est écrit ou pas? Et comment il donne? Il a eu peur. Moïse qui était devant la face de l'Éternel. Monstre là qui dit mon soleil. Devant la face de l'Éternel. Il est là. Qui est là? Moïse a fait l'expérience du feu. Monstre, allez là qui n'a pas ça et le père moi. Il n'a pas pu se retenir. Hier, avocat dit qu'on est en attaque. Mais maintenant, un serpent qui vous cause. Ça t'a dit. N'y a pas bonjour mon frère, bonjour, comment tu vas? Il faut être humble pour reconnaître la parole du Seigneur. Vous savez ce qui est là. Quand vous avez déjà une position, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas réviser. Mais si tu es humble, tu prends ta position, tu vas à côté. Tu te dis, je n'ai jamais une position si ce n'est que la parole de Dieu. Dieu va ouvrir ton intelligence. Je vais vous montrer certaines choses. Dieu va ouvrir. Le serpent, entre temps, le serpent, donc Satan prend la forme du serpent. Satan, a vu le lingue, il y a Nyoka. Il entre en contact avec Eve. A qui a coûté la Eve? Je vous ai dit. Il ne pouvait pas entrer en contact avec Adam. Parce que Adam, c'était le type de Jésus-Christ. La bonne semence. La mauvaise semence. Le champ de soi. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Elle reçoit la bonne et la mauvaise. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu n'as pas le droit de venir chez moi. Prendre ma femme, commencer à s'aimer. Je vais prêcher ma femme. Il faut attendre que je vienne. Pour que tu nous prêches ensemble. Tu risques de mettre à moi dans ma femme la semence qui n'est pas ma semence. Le Seigneur dit, quand une femme vient dans l'église, qu'elle reste dans le silence, qu'elle écoute l'instruction en silence. Si elle a une question, qu'elle a une foi libérée, c'est ça qu'a dit le Seigneur. Le Seigneur dit, si elle a une question, c'est pourquoi je ne pouvais pas. Je vous ai dit, quand
la femme est bête à Adam. Dans lequel l'homme était déjà, Satan était en train, ne pouvait pas s'approcher. Mais le serpent normal s'approchait. Le serpent normal s'approchait. C'est un serpent là que nous serons avec lui dans le millénium. Amen. Est-ce que c'est ça? Et ça va go? Dans le millénium. Na bokonzia pour la photo moko. Les serpents seront là ou pas? Bah là on va trouver la tête. Qui est le chef de l'église? Qui ne savent pas me répondre? Dans le millénium. Je vais continuer que s'il y a la réponse. Ne fais pas la position de l'église. Dans le millénium. Les serpents seront là ou pas? Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Je cherche celui qui peut nous dire qu'il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Regardez comment l'église a pris des semences. Je reprends encore. Dans le millénium, les serpents, les ours, ils seront là ou pas? Ils seront la main à l'air. Les disciples. Ils seront la main à l'air. ABC. Ils ne seront pas là. Les disciples. Il y a les attentions. Amen. Regardez vous-même. L'église, il y a deux positions. Et il y a celui qui m'a dit, on se verra la nuit. Mais c'est pas très bien. J'ai dit, on n'entrera pas dans le millénium. Comment on peut nous prêcher un millénium dans l'avenir? Il n'y a pas eu un millénium dans le passé. Et c'est un millénium. Alors, comment tu vas m'enseigner le millénium aujourd'hui? Dans ce qui est écrit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Amen. Puis quelqu'un va nous parler de millénium. Nous parlerons de millénium. Nous allons revenir encore ici pour enseigner aussi les milléniums. Enseigner aussi les totalités de Daniel. Enseigner toutes ces choses car ces choses nous appartiennent. Si je vais parler de la guerre d'Armageddon, s'il y en aura, oui. Je dois éprouver cette guerre-là avant. C'est un cercle aussi. Au moins que tu n'as pas dit. Et c'est pour vous dire ceci. J'enseigne pas le millénium. Mais je sais que dans le millénium, nous serons là.
Nous serons là hier. Hier a dit nous serons là. Mais écoutez bien. Si je confirme encore. Non, je confirme. Que ces jours-là, le serpent à qui Adam a donné le nom. Le serpent là, que Adam voyait et dirigeait. Vous croyez mes bien-aimés frères? Où est-ce que Jésus a ramassé cette parole de Dieu? Vous serez maudit par le serpent. Mais il ne vous fera rien. Ça vient tout. Et où tu aujourd'hui, les il paie ses morts. À côté de soi. Mais son venin est fait. Il ne pouvait pas mordre quelqu'un. C'est à partir du péché. Et ne perd pas. Pouvait te mordre. Aujourd'hui. Vous comprenez? Mais quand ça prendra fin, quand ça passe et le serpent ne sera plus, il y aura des armes. Il y aura aussi des armes. Il y aura des animaux. Nous allons prouver ce que nous ici. Le problème c'est quoi? Si Jésus est là-bas, c'est pour nous dire que le serpent qui a pris l'entretien à ce qui est, ce n'est plus le serpent dans sa forme avant que quand Dieu puisse le créer. J'ai bien dit, il a pris la forme de l'homme. Là, ici, je ne suis pas d'accord avec les prophètes. Les prophètes. Celui-là est bien loin dans beaucoup de choses. Vous allez vivre ça. Nazani est le moment côté de sa politique. Donc, quand il a pris la blessure, quand cet esprit entre dans le serpent, ce n'était plus le serpent que nous avons connu. Parce que celui-là ne parle pas maintenant. Et puis l'homme est là, c'est aussi de répondre. Le serpent-là a choisi que la femme. A choisi que la femme. Mais frère, je n'ai pas dit que le serpent a choisi de faire un Christ. Je dis le serpent a choisi la femme. Amen. 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 Les sœurs, amen. Là, ils sont contents. Quand le serpent prend le record, quand le serpent commence à parler, et nous sommes des prophètes, pourquoi? D'abord, la première des choses, le serpent pousse l'homme à devenir Dieu. La première des choses, il pousse l'homme à devenir Dieu. Ça c'était entrer en guerre avec Dieu. Mais pour ne pas d'abord arriver là-bas, pour faire voir d'abord que le serpent quand il vient, quand Satan entre dans un corps, sa mission c'est de dire que tu peux être aussi comme Dieu. Son problème, quand Satan entre dans votre église, sa première préoccupation, c'est le dispute. C'est-à-dire
entre Dieu et les gens que Dieu a appelés à vous conduire. C'est pourquoi quand vous allez lire chez les prophètes, dans les enseignements des apôtres, tu ne verras jamais les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, te discuter qui va diriger. Avant que le Saint-Esprit te sache, jamais les apôtres après. Sinon les gens arrivent à voir. Après le Saint-Esprit descend, personne ne s'est disputé qui va diriger, qui va diriger. Avant que le Saint-Esprit vienne, il s'est disputé entre nous qui va diriger. Quand il sera parti, qui sera le plus grand des autres? Que dirions-nous? Si nous voyons le ministre de discuter, que dirions-nous? Ils ont le Saint-Esprit. Attention, n'allez pas plus loin. Ok, maman, qu'il est n'allez pas plus loin. Vous voyez comment la révélation peut vous entraîner à dire des bêtises. Je veux dire par là ceci. Quand nous voyons des ministres, chez les apôtres, on n'a jamais vu ça. Mais nous vivons ça aujourd'hui. Les gens appellent les ministres. C'est difficile. Et là, nous allons courir vers eux. Pour les regarder. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit ou pas? Bazalina molimo mosatu peut-être. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit de répondre. Parce que si vous répondez, vous risquez de répondre n'importe quoi. Vous saurez cette réponse. Sinon, nous suivons le serpent. Prends le corps. Nous allons le voir dans les dirigismes comment ils fonctionnent. Mais je gagne d'abord le temps. Demain, je vais vous montrer dans les dirigés comment ils fonctionnent. Maintenant, je vous dis que le serpent qui était devant Ève, le serpent qui a toujours choisi la femme pour détruire le jardin de terre. Si le serpent veut détruire même cette église, il passe toujours par la femme. Si tu n'es pas une femme dans l'église, tu es une femme dehors. Si tu n'es pas dehors, c'est une femme dans la maison. C'est toujours la femme. Et parmi les femmes, nous avons des sœurs en Christ. Comme les Sarah, comme Abigail, les gens qui ont aidé les femmes. Amen. Qui ont été plutôt les mariés. Il y en a. Maintenant, comme nous allons toucher le bien des mains, je fonce pour ce soir. Le serpent qui était devant elle, le serpent qui prend la forme, le serpent parle avec elle, le serpent a dragué elle. La femme, Ève a aimé. Pourquoi l'homme? Pourquoi le serpent n'est pas allé voir l'homme? Parce que le serpent savait que l'homme a la semence. L'homme a la semence. Mais le serpent.
Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callot? Allez sur christequality.com/albertcallot.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.